Bonjour et bienvenue dans la taverne d'abondance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Sniper Elite 4 en compagnie de Kenway. Salut Eagle, bonjour tout le monde. Et du coup, nous allons faire Sniper Elite 4. Il y aura un épisode par mission, parce qu'en général, on prend notre temps quand on fait les missions. Et du coup, comme je dis, il y aura un épisode par mission. Du coup, ça revient à peu près 12 si on compte les DLC. Du coup, voilà. Eh bien, mon petit Kenway, je te propose que nous commençons tout de suite. Oui, eh ben, je suis prêt aussi, donc allons-y. Et on commence avec la mission, j'ai oublié le nom. Ah oui, bah oui, c'est écrit en gros, hein. C'est Deal de Sanchelini. Deal de Sanchelini. Ouais, ça va être bien, moi je vous le dis. 1943, un monde en guerre, plongé dans la tourmente. Nous avions mis fin à la campagne d'Hitler en Afrique. Mais ensuite, Churchill a poussé les Alliés à envahir l'Italie. Il appelait la Méditerranée le ventre mou du crocodile. Un drôle de surnom. Malgré leur réticence, Winston a convaincu les Américains. C'est le général Dwight D. Eisenhower, commandant en chef des Alliés, qui s'occupe héros de guerre, hein. Stratégie en Méditerranée. De mon côté, je me rends à San Cellini, une île isolée au sud-ouest de l'Italie. Alors après, nous sommes bien sûr dans l'épisode 4 de la série des Sniper Elite, mais en refaisant un petit bond en arrière, dans le premier, ça se situe en Russie, le deuxième en Allemagne, le troisième en Afrique. Oui, bien sûr, mais je me suis tué pour mener l'enquête. La narration. Était équipé d'un super dispositif d'interception radio. Les renseignements obtenus ont confirmé nos pires craintes. Les nazis ont une nouvelle super-arme. Oh mon dieu! Les survivants des bateaux détruits ont mentionné un nouveau type de missile. Ces fusées télécoptères... Suppositoire pistache chocolat. ...peuvent localiser nos bateaux avec une précision mortelle. L'Orchidea devait surveiller les transmissions radio de la Luftwaffe et découvrir les plans des Allemands. Même au prix du plus grand des sacrifices. Mais c'était des civils! Au revoir! Mais c'était des civils! Ce que les nazis préparent. Putain, les enculés! Eh ben, ils sont capotes. Capote! Le haut gradé de la Luftwaffe se trouve sur l'île. Le général Tobias Schmidt. Tout le monde sait qu'il est... Bon, ah, j'espère quand même... moi cette face de cul. J'espère qu'on va pas se faire Ken pour la vidéo si on dit des mots interdits de la Seconde Guerre mondiale. Attention. Ouloulou. C'est bon. Bah, de toute façon, ce sont des mots qui ont été utilisés dans la narration du jeu, donc je ne pense pas que nous aurons des problèmes. Ouais, je pense pas non plus. Mais on va s'abstenir quand même. Le voilà. Ah, mais je vais me permettre de les insulter. Je dois... Ah oui, tu peux. Sur la fusée. Et c'est à nous. Oui. Coucou, moi, chou. Coucou. Eh bien, donc, nous y sommes, c'est parti. Je te laisse passer devant. Donc comme je le disais précédemment avant le début de la petite narration, donc dans le troisième Sniper Elite, ça se situe donc en Afrique, et dans celui-ci, toujours en 1942, mais nous sommes en Italie. Et ça commence bien. Ok, je mets juste mes munitions silencieuses. Le grand sourire. Voilà, oh.
Au moins avec celui-ci, on est tranquille. Donc, on va espérer aussi que quand on va effectuer des tirs, que la majorité des fois, vous puissiez voir l'impact des balles. Car c'est si vous ne connaissez pas Sniper Elite, on a la chance d'avoir une petite cinématique de la trajectoire de la balle partir et voir où sera son point d'impact. On a que 50 abonnés, donc tu sais, la plupart des gens, soit ils connaissent déjà la série, soit ils s'en battent totalement les couilles de la vidéo. Donc, tu sais, on peut se laisser aller et faire ouh, c'est trop bien! Et du coup, voilà. Bon, eh bien après toi. Je sais pas si. Ouais, je l'ai eu! Mais j'ai pas eu le kill cam. Ah Comme quoi, bah il n'y a les pas vieux besoin de boulet de châteaux. canon pour effondrer un mur. Hein. Non, 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 non. L'âge suffit. Là, il a suffi qu'une toute petite balle. Hein. Et plouf. Bon. Ouais, alors bien sûr, ne t'en fais pas, je vais pas ramener ma science. Oui, on s'en Là, il y fout. a rien à On récupérer. dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, hein. C'est pour ça. Bon, t'as tout récupéré. Eh Yes. ben, allons-y. Sais, je suis pas là pour faire. Je crois que nous avons fusionné. Oui. Là, il n'y a rien. D'accord. Comment on les marque déjà? Comment on fait pour avoir la... Alors, faut regarder avec la jumelle. Mais comment on sort la jumelle déjà? Alors, la jumelle, c'est R3, donc le joystick analogique droit. Ah oui, Et c'est vrai. il faut appuyer sur R2 pour marquer. Et la flèche du haut pour utiliser les zooms. Ah oui, c'est vrai, faut marquer. D'accord. Donc, moi, je vais essayer de t'en marquer le plus que je peux et. À toi de briller. Ah bah il faut que t'en tues aussi hein, sinon c'est pas drôle. Oh oui, bien sûr que j'en tuais. J'ai même fait un royal plaisir. De tuer tous ces fils de pute. Bon. On n'insulte pas les mamans. Ouais, c'est des guignols. Bah ouais mais même. Il y en a, ils faisaient juste leur travail. Bon, bah je me déplace. C'est le Bon. mec qui veut défendre tout le monde et ils faisaient juste leur travail. Bah on pourrait dire que ce sera un grand défenseur. Sauf que je défends pas ces gens-là, moi. C'est des abrutis. Hop, Bref, on voilà. n'est pas là pour parler de ça, on est là pour jouer. Et non pas Oui. jouir. D'accord. Quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Alors Alors, juste pour le plaisir, je vais tirer très 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 loin. Montre-moi ta tête en dans l'œil. Toi. Ah je l'ai pas eu. Ah je l'ai pas eu. Ah fils de Dieu, devin de Dieu. voilà, je vais prendre les munitions silencieuses aussi. Hop. Yes, ça fait déjà un truc de moins. Ça les... Ah bah lui, on peut dire qu'il a perdu la vue. Et sinon, tu disais, ça laisse. Je sais plus. Je sais plus. D'accord. Non, bah non, mais monte quand même. Tissu. Qu'est-ce que... Tout à fait. Moi je fais tout péter. Là, tu pouvais te permettre, oui, en effet. Mais j'aime tout faire péter. Alors lui, on va être sympa. On commence dans les règles. Dans les boules.
Je crois qu'il vient de décrocher une cloche. Ding dong. Pardon. C'est tout à fait ça. Alors moi, je suis un pro. Je suis un pro pour tirer dans les testicules sans le vouloir. Bon, là, je l'ai voulu. Mais sinon, je suis un pro pour faire ça. Ah. Évidemment, il a fallu qu'il recule celui-là. 399, Ne bouge. Bouge. 403 mètres. Arrête. Arrête. Putain. Ah, punaise, il est à 403 mètres et je peux pas l'atteindre. Dommage. Dommage. Non, il est À beaucoup que trop loin. je ne peux pas. Ah Mais que... là. Oh, vas-y, bouge pas, mon petit chéri. Oh, putain. Ninja! Allez, 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 monte ta sale tête! Monte ta tête! Non, punaise, il veut pas. Punaise, j'aurais pu faire un tir de 416 mètres là si. Ah, je l'ai eu. 417, comme le 4. Allez. Allez, monte ta tête! Maintenant, il veut pas. Tant pis, il veut pas. Beaucoup trop loin. Ok, on avance. Oui, je me dirige dans la tour à gauche. Pour essayer d'en marquer d'autres. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sépare ou... À ta préférence. Bah moi je serais plus pour aller de l'autre côté, tu vois. D'accord, bah je vais essayer d'en marquer encore un peu et puis j'arrive. Yes. Alors, nous y sommes. Ici, nous sommes. Maître Yoda? Non. Oula. Évidemment. Personne d'autre? Tu n'as rien vu, rien entendu. Et tu ne te souviendras de rien. Exactement. Parce que tu seras mort. Exactement. Il sera capote avant d'avoir Virouf. Pour l'instant, j'en ai verrouillé quelques-uns, mais il y a des points d'interrogation qui sont apparus, donc ça fait que ce seront des personnes que nous. Oh! Alors oui, il y a aussi, il n'y a pas que les unités piétons que l'on peut se débarrasser, il y a les véhicules aussi. Ouais, ils ont vu, j'ai fait exploser un camion tout à l'heure. Oui, mais il y a les deux avions aussi qui peuvent être destructibles aussi. Ils valent 2000 d'XP, mais je n'ai jamais moi-même réussi à en détruire un seul. Mais bon, c'est 2000 d'XP qui te passent au-dessus de la tête. Tu fais ça pour deux, ça en fait 4000. Tu m'as fait peur! J'ai sursauté! Est-ce que Et c'est une balle trop pour violent toi, pour hein. YouTube? Je ne sais pas. Alors que tu sais, quand tu vois Mortal Kombat, je te dirais que ça, c'est rien à côté. C'est pas faux. Oula. Et t'es où toi? Alors, Bah merde, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. D'accord. donne-moi ta Je te main, mon vois. gamin. Bon, bah, lui, ça a été d'une rapidité fructueuse. Tu me rejoins ou... Oui, j'arrive. Attends, Lord Hubert. Vas-y, monte ta sale tronche. Eh ben non, il veut pas. Putain. Bon, bah je te rejoins du coup. Attends. Putain!
Bon bah je vais devoir courir, mon rythme cardiaque va augmenter, mais bon, je n'ai guère d'autre choix. Et j'ai vraiment eu peur parce que là j'étais repéré par un mec. Je lui ai mis une balle, mais ça l'a fait. Bon, alors toi tu vas mourir, pas besoin de te repérer. As-tu fouillé les deux tentes? Pas du tout. Moi je me suis Bon contente de bah. tuer des gens et d'avancer. D'accord. Allez, tape dans le machin. Ah voilà. Alors du coup, ça va me faire un son de couverture, ça va être bien. Alors quand c'est comme ça, retire ton silencieux. Ouais, t'inquiète. Eh, je connais le jeu quand même. En plus les deux avions qui repassent au-dessus de notre tête. C'est comme ça. Alors, il y a lui. Il y a un camion là. Il y a un glandu là. Il y en a un autre ici. Il n'y a pas d'autre. Oui, il y a un truc d'explosif. Qu'est-ce que Oui. c'est que ça? Erben Markel. Cahier de service. Rudolf Heller. Oh, on s'en fout de leur nom. Non? Oui et non, mais bon. Oh, lui, la mâchoire a explosé. Alors toi, j'ai entendu ton coup de fusil. Heureusement que t'as le truc qui te protège. Ah non, là non, là non. Ouais. Mais là, c'était pas... Oula! Elle est belle celle-là. Dans la cafetière. D'accord. Bah moi, il y a le trou, mais il est pas au même endroit que la balle elle est apparue. Oh. Ah bah pile dans le cerveau. Il n'en aura plus besoin. Oh. Pour le peu qui s'en servait, hein. Tu me diras, à part stocker des informations. Toc. J'essaie d'en buter qui sont loin. En tout cas, ce seront Ah des infos putain, je qu'ils l'ai auront raté. oubliées 40 minutes plus tard. Bon, un petit Benji. Quoi? Non, c'est bon, je l'ai eu. Je commence à douter de ton efficacité. Non, mais c'est bon, je l'ai eu. Coucou! Allez, sors ta tête, que je t'y colle une balle. Allez, Pascal, montre-nous ta tête! Bah d'habitude, ils sortent la tête quand je chante ça, mais là, apparemment, ils s'en battent les couilles. Montez les Et voilà, je jambes. lui ai fait sauter la cervelle. Peut-être qu'en faisant ça, ça va... What? Ah bah oui, mais si... Bah oui, mais j'ai l'intendance à avancer tout seul aussi. Bon bah tant pis, je peux pas remonter. Je suis là. Qui? Quoi? Je vais Ah, jeter il un est petit coup là! d'œil dans les tentes. Ah tiens, vivement que Far Cry 5 soit installé, tiens. Hé! Alors. Hey, j'ai un copain! Oh, Rolio. Je l'avais oublié celui-là. Non, mais il était pas sympa, je préfère les commandants. Il y a tout le monde qui est mort ici? Oui, je m'en suis occupé personnellement. Ah, d'accord. Tout faire péter! C'est ce qui s'appelle foutre un sacré bordel. Putain, je me trouve un copain. Aïe. Ah bah oui, mais là ça va pas mieux. On va prendre un truc. Comment on utilise ça déjà? Quoi donc? Non, mais je cherchais comment. Attends. Ouais, je veux lui. Attends.
Compte rendu opérationnel numéro 4, 1 sur 4. C'est bon, je me suis fait un copain. On peut y oh, aller. Ma prise de jack s'est déconnectée. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, tu viens? Bon. Où es-tu? Bah, ah, t'es parti là-bas là? Bah oui, moi je passe par là. Après, je remonte. Et je les nique tous. Et oui. Mais tu oublies ce qu'il y a en début de chemin. Mais c'est oui. Pas grave. Bon. J'arrive. Billie Jean. Et regarde, je suis une toupie Beyblade. Ah, c'était le bon vieux temps. Et regarde, j'ai mon copain. T'as vu, j'ai un copain. Oui, je vois ça. Il est gentil. Il est un peu mort, mais c'est pas grave. Il s'appelle Franz. Attends, je te dépose, copain. Attends, je vais me servir de ton corps pour me couvrir, copain. Bouge ton cul! Il n'a rien vu, rien entendu. Allez, on y va. Et en avant, copain. Ah, mais non, je peux pas passer sur les par les fenêtres. D'accord. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? D'accord, j'appuie sur triangle, il veut pas Bonjour. Le tuer au corps à corps. Il veut pas le tuer au corps à corps. Bah, change, mais il change. Mais attaque-le au pistolet. J'y crois pas, le bug. Il n'a pas voulu l'attaquer au corps à corps. Ah oh, bah c'est Et pas ils grave. Ont entendu tous les tiens. Mais non, ils n'ont rien vu, rien entendu. J'avais verrouillé celui-là. Attends. Ah mais moi je peux pas me mettre à genoux. Oh bon bah tant pis. Mais lâche-le. Mais non, c'est mon copain. Ah ah. Ah, il est raide mort. Et je viens de monter des niveaux. Ah bah du coup, bon bah désolé copain, je peux plus. Je peux plus t'emmener. Oui. Attends. Je crois qu'on a eu se le farcir tous les deux. Il s'est bouffé deux balles. Bah j'ai vu le... Ça a fait ping ping le... Oui, j'ai vu la fumée tracée de ta balle. Oh attends, d'ici je peux peut-être faire un tir très loin là. Bon c'est dans une statue mais c'est je pas grave. Je m'en doutais. Combien, Dis-moi, combien, c'est combien, de combien statue. Combien? D'accord, ça me le dit pas. Bah va te faire foutre le jeu. Hein? Tu m'entends? Va te faire foutre. Allez fonce, j'ai mis. Ah, je suis dans toi. C'est vide, hein? Alors oui, il y a un petit peu d'Assassin's Creed dans le jeu là. Bon, pas vraiment, hein. C'est pas vraiment Assassin's Creed. Je suis encore dans toi, hein, c'est pas possible. En tout cas, t'as la tête vide. Bonjour, t'es mort. J'adore comment il est mort. What? J'ai tiré sur un mec, j'ai pas compris. Bonjour, oh oh. T'es mort. On a un fillard. C'est dans quel truc qu'ils disent ça? On a un fillard. Ah mais si c'est dans... Si c'est dans Call of...
Et c'est Je en sais Modern plus. Warfare... Si, c'est en Modern Warfare 4. Je l'ai refait il y a pas longtemps. La mission en question. Bah, Modern moi Warfare j'ai plus 4. avancé dans le multijoueur. C'est Modern Warfare. Ouais. Tu sais, je prends de l'avance dans le temps parce que j'ai dit Modern Warfare 4 alors qu'il n'est pas du tout sorti. Non, mais il est prévu. Ouais, il est prévu, mais pour quand, j'en sais rien. Oh merde. Qu'est-ce que t'as fait encore? En fait, c'est juste que comme j'ai l'habitude sur les Call of Duty de lancer des grenades avec R1. Ah. Ah bah là, je lui ai fait sauter le casque. Oula. Comme dans le jeu, il dit, on est là pour buter des nazis. Corrompus. Ils sont pas corrompus, ils sont juste nazis. Oui, bah c'est des guignols. Bon, bah pendant j'ai que tu te farcis là, je vais m'occuper de l'objectif. Ok, mais j'ai plus que 2 balles de fusil silencieux. Eh bah, va falloir que tu fouilles dans les tentes. T'inquiète. Hop, yeah. Ça c'est fait. La caméra en moins. Normalement, il y a une munition de snipe pour toi ouais, ici mais... si tu veux. Normalement, il y a un petit moteur dans le coin qui pourrait couvrir les tirs. Tiens, il y a peut-être des munitions de silencieux ici pour toi si tu veux. Tu regardes ici de ce côté-là, il y en a une là, je crois. Et puis là. Bon. Non, il y en a pas. J'en ai toujours que 2. Ah. Bon, bizarre. Il y a bon, beaucoup de munitions coup... de pistolet, par contre. Bon, plus qu'à marcler... À marcler. Oui, à marcler. Si moi parlais bien la français, hein. Bingo. Unas problemas. Comment va-t-on? Ok. Alors toi déjà, mon petit chou. Mon petit chou. Évidemment, elle est belle. Le cortex préfrontal a été percé. Je pense qu'il l'a dans le cul. On dit plutôt qu'il l'a eu en pleine gueule. Mais... Ah, je crois que tu as alerté nos amis. Oui, parce que j'en ai loupé un. J'en ai loupé un et du coup... Oh. Ma matina, j'ai buté un nazi. Ouh, il a mangé cher, lui. Je dois dire que oui. Et lui, bon, il est bah, parti se planquer boum au fond. Neuron d'une chaîne. J'ai eu le temps de faire 2 tirs camouflés. Oh attends là j'ai une belle. Putain ça n'a fait ça n'en a compté qu'un. Ah pas de panique, Edgar. Je pouvais en faire une doublette, mais what? Oh le poumon. Ah, techniquement il est pas censé mourir hein, il peut encore... Ah ouais non, hémorragie et tout le bordel. Oui, hémorragie interne et là les patates sont cuites pour lui. Ouais mais tu peux survivre avec un poumon. C'est scientifiquement oui. prouvé. Oui, tu peux survivre avec un poumon, mais un poumon percé avec une hémorragie interne, c'est mort. Ah bah c'est tu sûr que là t'es niqué. Bon bah allez, eh, mais il me casse le les couilles celui-là. Celui-là. Non, celui-là. Sully. Pauvre Sully. Je l'insulte. Pourquoi quand tu dis Sully, ça me fait penser à Monstre et Compagnie. Ouh.
Tout le monde retient son souffle. Ah. Ah bah va falloir lui mettre un dentier. Le dentier inférieur plus l'omoplate. Et non mais je dis c'est parce que dans Sully, monstre et compagnie, tu sais, c'est le monstre bleu. Oui, je sais c'est qui. Attendez, pourquoi je dis ça? Oh. Ah, dans les boyaux. Eh bah fallait mieux bouffer. Ah, y'a un truc que je piche pas. Encore plus. Y'a pas d'autre guignol? Ah, il bouge ou pas? Ah putain, j'ai manqué. Vas-y, Coco, monte tout en haut. Merde! Mais tu meurs toi? Main de Dieu. Bon, attends, et encore attends. Là nous sommes en mode facile, donc on n'a pas l'impact du vent et la gravité. Ouais, parce que moi j'aime bien quand ma balle elle va là où je lui dis d'aller. Par exemple là, elle va pas où je lui ai dit d'aller, du coup ça me casse les couilles. Main de Dieu. Et mon petit Benji, on nous prend un revers. T'inquiète, T'inquiète, j'ai ma traillette. J'ai ma mitraillette. Eh bah vas-y. Kistin toi. Kistin. La 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 la. On bouge? Oui, c'est ce qui va se passer. Je regarde s'il n'y en a pas de l'autre côté de la rive. Ah, il y en a un, mais il est intouchable là. Il y a trop de murs. Quoi donc? Attends. Joli. Quelle sentie celle-là, hein? Saloperie, va. Gars. Attends, il y en a un là. Oh, dans la tête. Ce mec adore se manger des balles. Ah bah, il en bouffe des kilomètres de balles. Pourquoi ça me fait rire? Tire avec la distance, fantôme. Fantomitude. Attends, du coup, c'est haut là? Ouais, non, c'est pas... C'est un peu haut, ouais. Ah, dommage que toi, tu n'as pas ta tête. Oh! Bingo! T'as eu le mec dans le mirador? Ouais, tu l'as eu. Quoi? C'est toi qui l'as eu, le mec dans le mirador. Ah bon? Oui, dans le mirador de bois, c'est toi qui l'as eu. Moi, j'étais encore en train de marquer des cibles quand tu l'as dégommé. T'es sûr? Parce que je m'en rappelle absolument pas. T'as tiré trop vite. C'est possible. Pourtant, d'habitude, je tire pas aussi vite. Ça y est, on l'a perdu. Le mec qui tire fort, il tire trop vite. Eh ben moi je tire fort et vite et... Non, tiens, non, ça non, non, non. Ah, j'arrive. Ça t'intéresse pas du steak haché de mouette au petit déjeuner? Non, je préfère le bœuf. Même ton cul, je vais crever. Ouais, bah je fais vite. Hémorragie. Même ton cul, Jean-Mi. Il est là. T'as de beaux yeux, tu sais. Merci. Bon, progressons à l'intérieur de la ville. Ou du moins du village. Tain. Tanana. Tanana. Du pam. Tanana. C'était pour l'explosion que j'ai fait. Attends. Et boum. Attention. Attention. Et boum. Ah non.
Attends, c'est une roue ça? Non, c'est bien un réservoir. Moi, je ne sais plus. Dans le doute. On est repéré, mais j'en ai rien à foutre. Gagne-moi ça. Putain. Bon, bah là, ça fait un peu. Tac. Tic tic, monte-moi ta tête. J'ai encore le réflexe dans Ghost Recon de appuyer sur la flèche du haut quand je vise. Attends. Ça pète de partout, dit dedans. On s'en fout, c'est la guerre! Ouh! J'ai au moins arraché la face. Tu n'as rien vu, rien entendu, et tu ne sautes. Hein, ok? Ouais. Et j'espère que tu t'en souviendras. Attends, mais c'est moi ou il t'attaque de front, le mec? C'est moi qui l'ai eu. Oh, joli. Ok, je m'occupe de ses petits potes. C'est Schmitt en personne qui a mené l'attaque. Ouais, pendant qu'un de ces gars restait tout en haut, à rien foutre. Bon, bah comme on dit, il n'y a plus qu'à fuir l'île. Non, il y a le coffre à ouvrir. Ah bah vas-y. Ah, je suis à côté de toute façon. J'y vais. Si t'entends des explosions, c'est tout à fait normal. Aucun problème, patron. Ah, parce que c'est moi le patron ? Bah, depuis au moins une bonne dizaine de minutes. Ah, d'accord. Tiens, lui, il est. Oh, joli. Alors là. Ah, c'est. C'est rare qu'ils nous font des pirouettes comme ça. Non, ça, c'est pas mon fusil. Ah, je peux pas. Mais. Des... Où sont les avions? Ils sont là. Attends. Oh, je l'ai touché! Il fume! Ah, de là où j'étais, quand j'ai entendu ton dire, on aurait brûlé un bruit de pétard. Ah, je peux pas le toucher d'ici. Ah! Ah, il se peut que j'ai avancé trop vite. C'est pas grave. Et voilà. Alors les résultats. 46 frags. 26 frags fantômes, 21 dans la tête, 42 précision, ça change pas d'habitude. Et j'ai fait le tir le plus éloigné avec 396 mètres. Oui, mais tu n'as pas été le plus précis. Oui, mais j'ai fait le tir le plus éloigné. Oui, mais en général, les snipers, c'est la précision qu'ils recherchent. Oui, mais voilà. Alors, j'ai gagné plus d'XP. Oui. Mais alors tu vois, si on faisait un concours, je pense que c'est moi qui serais recruté. Ouais, je pense toi, aussi. Moi, je suis là en mode... Ouais, bah tu nous sers si l'autre il meurt. Hein. Oui, aussi, oui, éventuellement. Et du coup, tu as... Toi, tu as fait 35 frags, 31 frags fantômes, 29 dans la tête, et... 82 de précision et 272 pour le tir le plus éloigné. Oui, mais ce n'a pas été, mais ce n'est pas mon record. Oui, bah c'est pas mon record non plus, hein, 300 et quelques mètres. Parce que ton record à toi, je l'ai battu. C'était quoi mon record? Ton record était très exactement de 300 voire 400 et quelques mètres, si je dis pas de bêtises. C'était pas... Oui, c'était 480 et quelques, voire peut-être même 500. Oui, oui plus. Et moi je t'ai battu. Et l'enfoiré. Et bah je m'en fous, je le battrai de nouveau. Et bah tu le battras quand nous serons à l'épisode 3 ou 4. C'est pas faux. Parce que, bon. Vu qu'on a fini la mission, la vidéo terminer, est finie. La première mission, du coup. Voilà, c'était la première mission, c'était l'île de Sancellini. Et du coup, on se retrouvera... On espère
Ce contenu vous aura plu. Ouais. Du coup, j'espère que cette vidéo, vous l'avez appréciée. Voilà. Je vous Et que vous souhaite. avez apprécié notre compagnie aussi. Oui. Ouais, c'est pas faux, parce que quand même, on est sympa, on est des petits gars sympas. Oui, on s'est amusé à buter des mouches. C'était pas que des mouches, c'était aussi des chevaux. Des petits poneys. T'es pas de Et du coup, Petit poney. écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon appétit ou encore une bonne. Vous voyez de quoi je parle. Et oubliez pas les capotes, c'est important de se protéger. Mais je parlais d'une raclette, moi, en fait. Parce que c'est bon, les Je m'en raclettes. fous, moi. Bah ouais, mais non, mais les raclettes, c'est bon. Allez, Bon, allez, passez bye une tout le bonne fin de monde! soirée, les gens.